Yo tout le monde, c'est Poulpi avec... Yo les amis, Bourinator! Bourinator, Ator! le plus fort. On se retrouve, non, c'est pas pour du GTA, Bourri. Oh, on change un peu, hein, une Ouais. petite avant-dernière ou dernière vidéo sur Touquet 16 C'est ça, pour commencer exactement. à parler de Touquet 17! 17! Touquet 16! Non, ça sonne Touquet, moins. ouais, c'est, ça le fait beaucoup Attends, moins. Touquet 16, ça marche, mais Touquet 17, ça marche pas. Ah, j'avais trouvé la. Touquet 17! Ah, c'est pas pas mal, mal en Touquet, anglais, on hein. y a écrit dans les rues C'est d'Orléans mieux, comme l'année hein. dernière, Touquet 17! Donc voilà, plus sérieusement, donc une vidéo d'information donc sur un gameplay sur Touquet 16. Donc on est Touquet 16! avec notre ami Black Intox. Moi je suis avec mon ailier fort, toi t'es avec Mon qui? arrière, arrière Ton intérieur. arrière, et Tox il est avec, on sait pas, on s'en fout d'ailleurs. Et bah il y a personne qui va venir Le qui problème c'est que nous. nos adversaires sont partis en fait. Il y Ouais, en a bah, 14, on on va a attendre, dit. on va. Ouais, vas-y, on va le suivre. Hein. Ouais, donc ça va être une vidéo sur un petit peu ce que l'on sait. Sur le prélude. Voilà, sur le prélude de Touquet. Ah. D'ailleurs, ça s'appelle The Prélude, d'ailleurs, on Ça en fait, parlera ouais, c'est après. votre carrière, mais on peut commencer à en parler un petit peu là en attendant Voilà, attends, je me place d'abord. que le match On va parler un petit peu d'abord. On va d'abord commencer par une petite introduction. Donc, Touquet 17 sort donc Le le 16. 13. Le 13 septembre. C'est ça ou j'ai une connerie? C'est le 16 ou le 17, Ah merde, j'ai un j'ai doute. un Putain, doute on a un maintenant. doute. On est pas précis là sur ce coup-là. Ouais, il Ouais. sort au mois de septembre. Ouais. Mi-septembre, on Non, va je crois que dire. c'est le 16. Hein. Ouais, c'est le 16 septembre. Mais vous Si tu pouvez. le précommandes, le jeu Le bien cher à 9. 110 euros, ouais, C'est le tu 9 septembre. auras. Ouais, c'est ce qu'on avait vu dans la Ouais, publicité tout à l'heure. Ouais. c'est le 9 septembre. Donc voilà. Donc les pochettes, vous le savez, sur la jaquette normale, Paul c'est Paul George. George. Et sur la jaquette spéciale édition, Kobe. Kobe. Voilà, Kobe qui a tiré sa révérence cette année. Malheureusement, tout comme Tim Ah, Duncan. Tim Duncan, ouais, Tim Timmy, ouais. Duncan, Tim Duncan, il est plus là. Donc on a quand même Mais perdu il était quand même deux là. Hall of Ouais, Fame. ouais. Hein. Ah, il était quand même là à l'époque de David Robinson. Hein. Il était Ah temps ouais, non, qu'il batte mais sa retraite, le gars. c'était. Mais Ouais, il était il temps, était bon mais. jusqu'à la fin, quand Ouais, même. ça fait chier quand même. C'était pas. Que dire de plus par rapport à l'introduction? Donc, dans les petites nouveautés vite fait auxquelles je pense cette année, donc, il y aura 21 équipes européennes, mais il n'y aura aucune équipe française. C'est ça, c'est fort Voilà. dommage parce que tu m'aurais dit tout à l'heure que Bah, Strasbourg avait Strasbourg a quand même gagné. gagné une coupe, mais bon, ouais, ils s'en foutent a priori, donc c'est pas grave. Donc, aucune équipe française. Dans les équipes internationales, on va retrouver l'Australie. Voilà, alors s'ils mettent l'Australie, est-ce qu'ils vont mettre d'autres pays? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont nous mettre la France? Enfin, est-ce qu'ils vont nous faire un peu les teams des Jeux Olympiques? Ça pourrait être super sympa, Ouais, puisqu'on ça pourrait retrouve être de toute façon l'équipe original, américaine des Jeux Olympiques, ouais. Oh ouais. hein, coachée par Kochka. Donc, à voir, quoi, à voir s'ils vont nous mettre tout ça, ça serait super chouette. Ah oui, dans la version que tu précommandes, il y a aussi l'équipe, la Dream Ah Team de la Dream Team 92, de la vraie 92, Dream Team, la seule. fameuse Dream Team, Avec Michael ouais. Jordan, Magic Johnson, Clyde Drexler, Charles Barkley, David Pippen Robinson, aussi, Patrick non? Ewing, Scottie Pippen, Chris Mullin, Ah, David Robinson, déjà en Christian 92? Lettner, je sais pas ce qu'il Oh foutait là, là mais là bon. là. Mais voilà, c'était une équipe, j'en oublie David encore. Robinson, déjà là, Ouais, dans la 92. non, mais Ouais, il a arrêté en 2000, donc forcément, il était là avant. c'était une équipe de malades. C'était juste Karl Malone, John Stockton. Bah bref, c'était vraiment. Jason Statham aussi? Jason Non! Statham, ouais, il Ouais. était là. Ah, ça envoie du lourd! Il était là. Donc, alors attends. Donc, on est qui? Nous, moi, Moi, oh, je suis sur Yang. je suis sur MTP. MTP, il n'a pas joué le jeu. Tu marques un 3 points, Ah, t'as mais MTP, il va raison. tirer beaucoup à 3 points. Ouais, il faut que je le garde. J'ai déjà joué contre lui tout à l'heure. Hein. Oh, le Oh, cash out force, bourrée. direct. Voilà, qu'est-ce qu'on sait de. Bah, la playlist, la musicale également, a été dévoilée début Ouais. août. Alors, créé, tu m'as dit, comment pas créé, mais choisi par Jay-Z, Ouais. Pharrell et LeBron, et le King. Et c'est ça, Alors, le voilà. King, il avait le dernier mot, à la faute, c'est le King, quoi. C'est ça. En fait, c'est Pharrell, Jay-Z, donc qu'on Et aidé. il y a la petite française, ah oui, dont j'ai pas le nom, mais qui est très connue, là, qui fait. Ah merde, ça, on va parler d'elle, là. Donc je disais qu'ils ont aidé à la playlist musicale et avec LeBron James, donc c'est cool. Donc moi je l'ai pas mal écouté la playlist. Il y a des morceaux qu'on, enfin comme d'habitude, pour moi ils n'ont Ouais, rien à foutre. tout ce qui est pas hip-hop à R&B, franchement, ça n'a rien à foutre, ça a rien à foutre C'est là, quoi. Ça a rien à ouais, foutre dans la playlist. Un peu de techno, peut-être, du Skrillex, ça c'est pourrait passer. ouais, du dubstep, ça pourrait passer, ouais. Mais bon, Ah putain. c'est assez moyen. Moi, j'aime bien les chansons de Drake. Il y a du Drake, il y a du Futur. C'est un tox. Hop, tu marques. Bah tire, tu fais quoi, madame? Il Pourquoi tire la balle. c'est compliqué la vie là, surtout. Dommage. Fallait pas se compliquer la vie là-dessus. Bon bref. Donc voilà, il y a du Drake, il y a du Futur. Il y a pas mal de choses. Voilà, vous pouvez l'écouter Pas sur mal. Spotify. Je vous donnerai Le lien. le lien dans la description de la vidéo sera dedans si vous voulez l'écouter sur Spotify. Moi, je la trouve franchement à la première écoute, faut voir après en jouant. Ouais, faut prendre Moi, l'habitude j'ai pas aussi. été transcendé. Transcendé, Non, ouais. pas vraiment. Bah, Donc j'aime bien celle de Touquet 16, c'est quand même particulièrement bonne. Hein. donc. C'est de la musique connue que j'ai entendue beaucoup sur d'autres supports.
Donc c'était quand même, ils étaient un peu en avance parce que les Man n'étaient pas forcément connus au mois de septembre. Je pense à 2-3 musiques dont j'ai pas du tout les titres en nom. Ouais. Et que j'ai retrouvé en fait dans des séries un peu plus longues, ah, bah, genre Hawaii Five-O, ou dans des documentaires, ou dans des... Allez, Tox. Oh, ah, tu m'as fait quoi, je regardais ton écran. Il se complique, Tox, là, aujourd'hui, là, j'ai déjà mis à foutre dans la main. Ouais, Tox, tu fais du caca, je suis pas dans le groupe d'amis, mais... Mais ouais, et ouais, donc voilà, et donc... Donc les nouvelles en ma carrière, par contre, les statistiques ont changé. Avant, on avait le choix entre 6 cases, grosso modo, il y avait l'athlète, le shoot à 3 points, la défense, le meneur... Et le double pas, ouais. Si je m'en rappelle bien. Là, ils ont rajouté les shoots mid-range, c'est-à-dire shoot... Mid-distance. Merci, ouais, des fois, putain. Et viens là, toi. Ah, bien joué, MTP. Allez, donc, mid-distance, ils ont retiré l'athlète, ils l'ont un peu plus compliqué, ils ont mis la strength en anglais. La force, ce ouais. Ce qui équivaut à la force, ouais. Les lay-ups sont comptés maintenant, ce qui est plus ou moins logique avec les... Ouh, bien joué, le bloc. Et les ups sont comptés avec les dunks maintenant, oui, ce qui est pas vraiment étonnant, c'est un peu... Ouais. Ah, c'est un double pas, quoi, en fait, les dunks aussi, c'est un double pas, voilà, on peut éventuellement voir ça comme ça, ouais. En tout cas, il y a plus de trucs à définir maintenant, plus de... Comment je pourrais appeler ça? Plus de... Ouf. Ouais, bien joué, bruit. Il y a plus de... Ouais, tu vas pouvoir plus préciser exactement les statistiques de ton joueur, en fait. Voilà. Et physiquement aussi, a priori, de ce qu'on a vu, parce qu'il y a un trailer qui est sorti aujourd'hui, les gens, hein, regardez sur la chaîne de 2K, YouTube. Il y a un trailer qui est sorti aujourd'hui, on apprend un petit peu tout ça sur le mode Macaria, qui vont appeler ça The Prelude. The Prelude. The Prelude. Donc retour des équipes universitaires, ouais. Apparemment. Ouais, bah c'est sûr, parce que c'est annoncé. Donc, oh, dommage. C'est sûr et certain. Non, je voulais pas tirer. C'est... Ouais. Bien joué, Tox. C'est sûr et certain. Donc j'espère qu'ils ont quand même viré Spike Lee, parce qu'il servait à rien. Non, Spike Lee, il est plus là. Je te respecte, hein, t'es un bon réalisateur. Mais là, t'avais rien à foutre, surtout que ça servait strictement à rien ton scénario. Ton pseudo-scénario qui allait même pas jusqu'au bout de la carrière du joueur, c'est ça que j'ai pas aimé en fait. Ouais, tu l'as fait du début à la fin. C'était okay. Long, moi ça m'a saoulé. Personnellement, j'ai détesté cette nouveauté. Ah, puis quand tu fais plusieurs joueurs, tu perds énormément de temps, tu perds. Ah, je peux l'avoir celle-là. Ouais, celui-là, vas-y. Tox tout de suite. Oh ouais. Non, mais tu l'as mis, ouais, c'est bon. Et ouais, donc voilà. Au niveau du physique aussi, donc il y aura plus de paramètres a priori de ce qu'on a vu. Et hop, petit rebond, merde, faute. Et en fait, maintenant, on pourra aussi vraiment refaire le physique quasiment de, par exemple, de LeBron James. Ouais, était en arrière-image, derrière le joueur que tu crées, en fait. Il y a la photo de LeBron James, plus ou moins, où tu vois ses épaules, où tu vois aussi sa longueur de bras. Donc si tu veux vraiment faire un LeBron James, tu peux, quoi. Sans aller sur Internet, voir sa taille, etc. Ce qui est plutôt quand même pratique. C'est exactement ça. Donc ça peut être sympa. Mais sans pour comprendre tout ce qu'on vous dit, regardez vraiment le trailer qui est sorti aujourd'hui sur la chaîne 2K. Et vous comprendrez un petit peu. Ouais, ça donne plus fin qu'autre chose, hein, parce que ça te laisse sur ta fin. Ça donne fin. Ça donne fin. Alors, pendant que j'y pense aussi. Mais toi, ça, c'est pas possible de rater des choses comme ça. Quand t'as un joueur à 99, tu peux pas rater ce genre de choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, le micro qui est tombé. Le micro est tombé, c'est pas grave, le micro il est de retour. Bah, il est pas cassé. Il est pas cassé. Hop, désolé. Et alors, moi, pendant que j'y pense. Pour ceux qui faisaient leur visage comme moi par exemple, comme toi aussi d'ailleurs Bruit, avec la Kinect pour 360, la facecam. Ouais, on peut le faire via son téléphone. Et bah là en fait on va le faire via une application mobile, donc MyNBA 2K17, voilà, et on pourra donc se prendre en photo, et ça va être vachement bien, parce que là avec la Kinect t'es obligé de te prendre en photo chez toi, donc t'as forcément un manque de lumière par exemple. Là, vous pourrez vous prendre en photo dans le jardin des plantes de votre ville, par exemple, où il y aura un maximum de lumière. Et là, ça sera forcément beaucoup plus précis au niveau des traits du visage, à mon avis. Ça peut être très sympa. Oula. Parce que là, comment dire, la Kinect, elle te scannait plus ou moins en 3D, alors que là, ça va quand même une image 2D plus ou moins. Je sais pas. C'est l'appareil photo, donc c'est une image 2D qui va. Bah après, comment ils vont faire ça? Ouh, MTP! Ah, MTP, tu te l'es pris là. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et le deuxième truc, c'est qu'on pourra aussi s'acheter nos affaires de la boutique, on pourra les acheter directement via l'application téléphone en fait. Donc, si vous n'êtes pas. C'est plutôt une bonne idée parce que leur boutique, elle est longue, elle charge, elle met du temps. Ah, je t'ai vu, MTP. Allez! Ah, on a travaillé fin des 24 secondes. Et donc, par exemple, si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes parti en vacances, il y a de nouvelles fringues qui sortent, et ben, vous pourrez vous les acheter directement via votre téléphone. Donc, sur Android et sur Apple, bien sûr. Sur iPhone, pardon. Donc, c'était pour toi, ça, tu sais. Oh, je me doute. Et donc, ça, c'est cool aussi.
Également, je vais vous mettre dans la liste, dans les liens de la vidéo, la liste des commandes sur toute la liste des commandes sur Xbox One. Hein. On s'en fout des genres de PlayStation, vous n'avez qu'à pas être sur PlayStation. Donc vous aurez la liste de toutes les commandes sur Xbox One. Donc ça, c'est cool. Dans les nouveautés, a priori, donc tout ça, ça reste à voir et à, surtout à tester dans moins d'un mois maintenant. Défensivement, il y aura plus de contacts, c'est-à-dire enfin, il y aura plus de choses, de possibilités de défense. On pourra par exemple tirer les maillots. Ouais, ce que je trouve. Oui, bon, à voir après. Hein. Ouais, à voir. Ouais. À voir. Tu connais les gens, ils abusent de bonnes choses. Mais je pense que Touquet va, s'ils en abusent. Ouais, de toute façon, ouais, parce qu'ils avaient patché, tu te rappelles, au tout début de Touquet 16, tu bâchais dans le dos leur truc de fou. Ouais, ah bah. Dès que tu rentrais dans la raquette, tu te fais bâcher par n'importe quel pivot ou ailier fort. Exactement. Ça fait un match de merde quand même. Ouais, je sais pas, c'est pas trop l'important, c'était surtout les informations pour Touquet 17, donc c'est pas fini. Donc au niveau défensif, il y aura plus aussi de défense au poste, a priori. Donc il y a plein de nouveaux mouvements défensifs. Pardon. En attaque, il y a le mouvement des dribbles. En fait, il y a des nouveaux dribbles, évidemment, ça c'est normal. Mais il y aura surtout la possibilité d'accélérer et de ralentir. Ouais, c'est pas, ça y est, hein, parce que là on peut accélérer avec la touche RT, mais c'est pas fluide, c'est pas vraiment concret. Tu la sens pas l'accélération en réalité. Ouais, c'est juste ça. Juste après le dribble, il faut vraiment bien placer RT sinon pour accélérer, sinon tu ne sens pas l'accélération. Donc ça peut être sympa à voir. Voilà. Donc tout ça. Puis on attend. Hein. Puis pour les non-fans de basket, bah, je vous le recommande vraiment. Parce que moi, il y a encore 2 ans, je ne connaissais même pas les LeBron James, qui est quand même quelque chose. Bah, tu vois, quoi, j'étais vraiment un noob en basket. Et c'est un vrai bon jeu de sport, en fait, qui est actif, qui est sympa à jouer à 3 en parc. T'as le mode GM aussi qui peut être intéressant. Oui. Donc je le recommande vraiment pour même les non-fans de basket en réalité, voilà ce que je tenais à dire. Bah c'est clair que là c'est moi qui étais converti à ce jeu-là, mais aussi le Black Atox, puis un paquet d'autres gens. Ouais, beaucoup de personnes qui étaient des anciens FIFA-teurs en fait. Chris et Schoolboy qu'on voit plus aujourd'hui, mais bon, étaient aussi, ils connaissaient pas le basket, ils ont essayé. Et ils ont kiffé, ouais, parce que le parc c'est dynamique, les matchs sur 10 minutes, tu peux vite enchaîner. C'est clair. Puis c'est du 3 contre 3, donc forcément la balle elle bouge beaucoup plus que si c'est comme dans du foot où tu touches beaucoup moins la balle par exemple. C'est clair. Ah, et c'est les matchs durent une bonne demi-heure. C'est beaucoup plus dynamique. Effectivement. Et pour terminer, après, on fera d'autres vidéos sur Touquet 17. Dès qu'il y a une news qui va sortir, on sera là. Les notes des joueurs, on en connaît quelques-unes. Moi, je suis choqué. Carl Anthony Towns, donc rookie de l'année dernière. Ah, c'est lui qui a 79 ? Non, 89. Ah, mais il est bon aussi, le petit père. Aussi, non, hein. C'est tu penses qu'il les voit pas ? 88, pas 89, 88. Non, non, et c'est sa première année, ça va être sa deuxième année, il mérite tout sauf 88. Mais bon, voilà, quand tu vois que Drummond, il a 87 et que Whiteside a 85, c'est-à-dire que Carl Anthony Towns est meilleur que Whiteside. Peut-être dans le futur, mais pas dans les médias. Ni meilleur que Drummond, qui était le meilleur rebondeur l'année dernière. Donc ça, je trouve ça un peu abusé. Dans les notes que j'ai retenues, il y a aussi D'Angelo Russell des Lakers qui est à 79. Ouais. Voilà, il méritait même moins parce qu'il n'a pas fait une grande saison, mais je pense qu'il va cette année, il va faire une bonne saison. Moi, c'est ce que je pense. D'ailleurs, on fera une vidéo sur nos pronostics de l'année, Bobo, hein, quand une saison recommencera. Ouais. Hein, on fera une saison, une vidéo sur nos pronos pour le MVP, le meilleur rebondeur. Ouais, j'attends de voir les Warriors parce qu'ils ont une équipe. Avec KD, c'est sûr que ça va changer les choses. Mais voilà, pour Touquet 17, de ce qu'on pouvait vous dire, un petit condensé d'annonce de Touquet 17. Un petit condensé. Donc, je répète bien que dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, pardon, vous allez trouver donc le lien donc de la playlist musicale sur Spotify et le lien des touches sur Xbox One pour le jeu NBA 2K17. Voilà, je vais y arriver, c'est dur. En ce moment, on enchaîne les vidéos, ça commence à fatiguer un peu. Là, c'est ça, le cerveau commence à donc voilà, saturer. Nous, en tout cas, on est très pressés. Alors, excusez-nous pour la date, c'est vrai qu'on pourrait regarder sur Internet là, mais bon, vous savez, vous pouvez regarder par vous-même. Tu peux le faire aussi, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est ça. Mais il me semble que c'est le 16 et qu'on peut y jouer à partir du 9 si on le précommande, mais ça coûte 100 euros, je crois, on a vu le prix. Un truc ouais, comme 110 ça. Euros au lieu de 70, ça fait 40 balles d'avance pour 4 jours ou 6 jours d'avance. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas. Ah oui, c'était pour 4 jours. Mais ouais, mais je me rappelle, sur la vidéo, c'était le 16 et la sortie précommande, c'était le 9. Il doit y avoir 5-6 jours de différence. En tout cas, je trouve que moi ça fait un peu cher. Avoir la Dream Team, je m'en bats complètement. De toute façon, nous on va faire un taquet de vidéo. Parce que les gens vont créer la Dream Team eux-mêmes. Dès la sortie du jeu. Oui, ah bah, ça c'est clair. On sera présent. Si vous aimez NBA 2K, abonnez-vous à notre chaîne, franchement. Vous les découvrez parce que c'est vraiment. De toute façon, il se dit lui-même étant le meilleur jeu de sport, en fait, l'ultime jeu de sport. Bah, c'est la meilleure simulation. Après, on va voir avec FIFA 17, mais à mon avis, bon, voilà, on fera des Mais ça touche pas autant de public. C'est quand même basket, c'est plus mondial que. Ah, quoi que non. Le FIFA va plus que Touquet quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour l'instant. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, enfin, il devait y avoir une annonce. Bah, l'annonce, je l'ai compris, c'était le fameux trailer. Je vais vous mettre le lien du trailer aussi. Max, s'il te plaît. Je vais vous mettre. T'aimerais bien, Boubou ? Oui, ça peut.
parce que le trailer est vraiment chouette, on apprend plein de choses, et c'est vraiment très intéressant, quoi. Voilà, et bah écoutez, sur ce, à une prochaine vidéo sur NBA. Ouais, bah maintenant, on prie les gens, hein, comme d'hab, profitez de la fin de vos vacances. Ah, il reste plus beaucoup, il reste J-6. Ah, il faut profiter. J-6, et puis, bah voilà, merci, bah, abonne-toi, évidemment, like la vidéo. Ouais, likez si vous aimez, donnez votre avis au moins. Ouais. Au moins, donnez votre avis. Si t'as pas aimé, bah tu likes pas, ou t'en like même, et si t'as kiffé, bah un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Allez, ciao les gars, à bientôt. Ciao les gens. Bye.